Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve avec plaisir. Cette semaine, on va travailler un boogie woogie. Qu'est-ce que c'est que ce style-là? Eh bien, en fait, c'est ce type d'accompagnement blues rapide et enjoué avec, souvent joué donc au piano. Là, je vous ai fait un petit arrangement version guitare, mais au piano, voilà, vous avez une main gauche qui va jouer des basses assez fortes et puis une main droite qui va jouer un thème style improvisation. Donc, vous savez, là. Ça va être la main gauche, et puis la main droite va faire des trucs du style. Etc, etc. Alors c'est plus un type d'accompagnement qu'un style musical. On l'entend souvent des fois dans des parties d'un morceau, où voilà, on a envie d'avoir une atmosphère un petit peu plus dynamique. Souvent on les entend dans des films, souvent dans des comédies. Donc, c'est une manière en fait de s'accompagner que je trouve très très sympa et que vous allez pouvoir en fait adapter à votre jeu de guitare, quel que soit votre niveau. Alors, comme d'habitude, vous avez des tablatures que j'ai mis à votre disposition en format PDF et en format Guitar Pro qui sont disponibles sur ma page Tipeee. Donc, vous ouvrez la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien. Merci beaucoup d'ailleurs de votre support. Bien, tout ce qu'il me reste à faire, je crois, c'est de vous le jouer. Donc lentement, parce que ce n'est pas quelque chose qui va être aussi difficile que ça si vous le jouez à une vitesse qui est appropriée, qui est raisonnable, à la mesure de vos compétences techniques. Eh bien voilà, vous allez pouvoir vous amuser et jouer vraiment un petit blues super simple. Il n'est pas plus difficile que les autres blues que j'ai mis en ligne récemment. D'ailleurs, à propos de blues, eh bien, on ouvre toujours la description de cette vidéo. C'est une mine d'informations. Vous avez ma playlist sur les blues faciles, ceux qui vous intéressent, les petits blues faciles à jouer. Allez, j'ai trop parlé encore une fois. Et donc, je vais maintenant vous le jouer avec le métronome et la tablature qui défile. Et ensuite, je vais vous expliquer eh bien, les différents mouvements et les différentes manières de le jouer. 1, 2, 3, 4. Dans cet exercice que je vous propose aujourd'hui, on va suivre une cadence blues assez conventionnelle et ça va être un blues en 12 mesures. Alors, ce n'était pas le but de faire un blues en 12 mesures, mais voilà, ça s'est trouvé comme ceci. On va suivre donc les accords à partir du mi septième, ensuite un cycle en la septième, ensuite on revient en mi septième, je vais faire un petit raccourci, ensuite vers le 6/7. Vous avez vu le jouer en aller-retour. Maintenant, vous pouvez jouer avec strictement des coups de médiator vers le bas, comme ceci. Vous voyez que quand on le joue lentement, ça sonne aussi. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que voilà, j'arrive pas à le jouer vite, donc ça ne va pas sonner. On a une ligne de basse qui démarre avec le Mi. Vous allez laisser le doigt numéro 3 à la case numéro 4. Comme ceci, eh bien, le doigt va être déjà en face de la case numéro 2. Vous avez deux motifs, celui-ci et celui-ci. Vous avez ensuite un motif en mi qui va aller jusqu'à la cinquième case de la corde de la avec le petit doigt. Cette ligne de basse, vous allez la répéter à partir de la corde de La. Donc c'est quand même une bonne affaire, ce petit blues. Quatrième case, deuxième case, quatrième, et deuxième case, corde de Sol. Au début, répétez plusieurs fois le même motif jusqu'à temps que ça devienne naturel et que vous n'ayez plus à réfléchir sur quelle case vous devez mettre quel doigt.
Alors, j'ai fait un petit passage avec des passing notes, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite montée chromatique. Ça va donner un petit peu d'intensité et puis de couleur à la chose. 0, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 0. En fait, l'accord à vide me donne le temps de revenir sur la deuxième case. 4, 5, 6. J'ai pas trouvé véritablement de doigté possible. Vous pouvez jouer tout avec un seul doigt si vous voulez. Ça gêne pas. 7, 5, 4, 2. Et le turnaround. À cet instant précis, vous n'allez pas reconnaître peut-être votre blues tel que vous êtes habitué à le jouer. C'est-à-dire qu'on va passer sur un fa dièse qui va se substituer en fait au la. Mais bon, laissez vraiment, voilà, moi je pense vraiment au fa dièse mineur. Tout ça pour être amené vers le 6/7. Et donc on redescend, en fait, c'est une redescente semi-chromatique parce que tout n'est pas exactement d'un demi-ton. Et donc on revient sur le mi-septième. Et là on a le petit rappel, donc le fameux turnaround. Le 6/7, donc à trois doigts comme ceci. 2, 1, 2. Donc là, même si vous êtes débutant, pour peu que vous ayez cette patience de l'apprendre, eh bien vous avez un petit blues en bonne et due forme, super sympa à jouer. Donc vous le jouez à votre rythme. Loger les accords n'est pas si difficile que ça à partir du moment où le rythme ne pose plus de problème. C'est-à-dire que vous avez ce mouvement de swing ta, 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 et cette main chevalée eh bien, qui va fonctionner de manière, on va dire, automatique. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Et que vous jouiez ou à la place de la deuxième frette sur la corde de Ré, eh bien, on va jouer un mi-septième. Le mi-septième en position, et c'est le petit doigt qui va jouer la quatrième case. Le doigt numéro 2 est déjà à la bonne case. Quatrième case, deuxième case, 4 accords. 1, 2, 3, 4. Vous avez à peu près l'idée. Donc vous allez garder la main en fait en position sur le mi-septième. Là vous allez un petit peu avoir à étendre le petit doigt. Bon, c'est quand même pas le bout du monde. Je pense que voilà, si vous avez joué de la guitare depuis quelques temps, vous allez trouver ça accessible. Vous allez faire la même chose à partir du la-septième. Le la-septième, je le forme à deux doigts comme ceci. Je vais laisser donc le doigt numéro 1 sur la case numéro 2 de la corde de Ré. Et enfin, la dernière possibilité, eh bien, c'est une variation, c'est-à-dire de faire strictement de l'aller-retour avec les accords. Qu'est-ce que je fais? En fait, je garde mon mi-septième et je vais faire la ligne de basse. Elle va être entrecoupée d'attaques vers le haut tout en voulant garder donc le son d'un accord de mi-septième. J'y arrive. 0, 4, 2, 4, 0, 4, 2, 4. Bas. Mi, accord, 0, accord, quatrième case, accord, deuxième case, accord, quatrième case, accord. 1, et 2, et 3, et
Et puis pour la fin, évidemment, je n'arriverai pas à le faire exactement avec mon passage chromatique. Donc, j'ai choisi de faire des octaves. Et ça, voilà, bon, c'est une commodité. Donc vous reprenez en fait les notes de la partition et vous jouez des accords d'octave. Remarquez, ça aurait été un mot qui m'aurait permis d'aller plus vite. Et puis il y avait également les derniers accords, vous savez, les fameux que j'aime bien jouer à la fin de mes blues. Je trouve que c'est un bon moyen de conclure ces blues. Alors vous avez le Fa mineur 7, Fa dièse mineur 7. Vous allez faire un barré sur 4 cordes à la deuxième case. Ensuite vous allez utiliser les doigts 4, 2, 3, 1. Vous laissez le doigt numéro 1 là où il est. Et vous avancez ses doigts, les autres doigts, d'une case. Demi-barré sur 4 cordes et on avance d'une case. Et là donc vous avez un mi-septième. Vous trouverez les tablatures en format PDF et Guitar Pro en ouvrant la description de cette vidéo. J'espère que ces petits accompagnements blues vous ont enthousiasmé. Faites-le-moi savoir si ça vous intéresse et j'essaierai d'en faire d'autres. Je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo guitare. À très bientôt. Bye bye.